Bon les gars, j'ai coupé du bois, il y en a au moins pour 3 jours. Et j'ai mis le reste dans l'abri derrière la maison. Ok, nickel. Moi j'ai fait le ménage ce matin et puis j'ai bien comme d'hab. Hein. Il se lève que tout de suite. Hein. Oh ça va, j'ai fait la vaisselle avant-hier, c'est bon. Bon bref, on s'en fout. On fait quoi aujourd'hui? Vous voulez bouger? Oh reste là, c'est bon. On avait déjà bougé hier, c'est bon. Moi j'ai vu un antiquaire dans le village d'à côté. Ouais. Je dis c'est cool d'y aller. Franchement ça peut être nickel. Mais surtout ce sera l'occasion de voir Julien dérailler comme à chaque fois. Eh va chier sérieux, mon vélo il est mort, tout est mort, la chaîne elle est morte. Tu changes ton vélo, il est foutu. Ah oui, c'est bon. Bon, on bouge ou pas? Allez. Oh la flemme. Allez, c'est putain, bon. Julien, viens. Allez, viens. On bouge. Ouais, je reste là, je vais dormir. C'est juste à côté. Ouais. Je dors bien. Il est marre, putain. Oh, attendez-moi. T'en fais du chemin. Bah quand même. Eh, vous auriez pu m'attendre les gars. Avec ton vélo de merde. Ah ça me casse les couilles, c'est bon. On est arrivé. Visiblement c'est là. Monte. C'est là. Ah c'est là. Bonjour. 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 Regardez les gars. C'est trop bien. Ah mais il est beau. Ouais, il est, bah, beau. Il est propre hein. On le prend ou quoi? Vas-y si tu veux hein. Allez. C'est toi qui gère. Je sais pas c'est combien. 20 balles. Oh ça va. Vas-y on le prend. Bah vas-y. Il y a pas grand chose. Oh, ça va. Ça va. Je vais aller voir au fond là-bas. Vas-y. Oh mais... C'est pas ce qu'on veut quoi. Ouais. Par contre le... Oh. Faudrait peut-être y aller, Julien, parce que là. Ouais, mais il y a des trucs sympas, hein, regarde. Regarde ouais, les poupées, vous avez vu. Ils sont pas un peu mal. Creepy, hein. Ces trucs. Mais ouais. Déjà, t'as ton monocycle à ramener, alors. Mais non, ça va le faire. Ouais, allez, on y va. Vas-y, viens. On verra ça. Oh, incroyable. Ouais. Allez, Julien. Vous prenez quelque chose? Ouais, moi, je prends ça. Ah oui. Excusez-moi, la boîte là, vous la faites à combien? La boîte à gauche. Gratuit. Gratuit. La jupe, elle va se ranger toute seule. Et vous avez un sac? Ce sera un supplément de 2 euros. Sans déconner. Tiens. Merci. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, tu as ramené ça comment maintenant? Mais t'es con ou quoi? Vraiment digne de toi, quoi. Allez, ouais. On te laisse là, hein. Putain. Débrouille-toi. Fais chier. Fais chier. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Allez, dépêche-toi. Attends. Il est bloqué ou quoi? Il est bloqué. Je cherche un truc pour débloquer. Attends, donne, je vais essayer. Non, attends. Incroyable. Adam, t'as trouvé quelque chose? T'as réussi à l'ouvrir là? Ouais, j'ai réussi. Adam, non. Ouais. T'as trouvé.
T'as réussi à trouver quelque chose? Casse-toi! Oh, 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 oh. Casse-toi! Oui. Me touche pas! Ça va pas, toi? Il est pas bien? Bah, il a vu ce qu'il y a dans la boîte, il a essayé de l'ouvrir et il l'a ouverte et il est reparti. C'est fermé? C'est fermé. Il fait chier, normalement c'est pas à nous de faire ça. Ouais, mais déjà qu'il sort à peine pour venir manger. Ouais, c'est clair. On a bien coupé du bois, il y en a plus. Bah, sinon, on peut se chauffer. Hein. Je sais pas ce qu'il fout. Hein. Je sais pas, il baise avec ou quoi? Ouais, je pense pas. Hein. Ouais, le connaissant, on sait jamais. Si c'était une histoire de thune, il aurait mangé avec nous, il s'était réglé. Il l'aurait vendu. Il l'aurait vendu. Moi, je propose, faut qu'on aille voir. J'ai des conseils. Avant même qu'il y ait la boîte. C'était compliqué d'entrer dans sa chambre. Alors après. Ouais, on sait jamais. Hein. Après, ouais, c'est pas faux. Moi, je vais faire des courses parce qu'il n'y a plus grand chose. Vas-y, ramène des bières. Ah, d'accord. J'ai soif. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Et de mes amis, on avait pris un monocycle et une boîte ici. Oui, bonjour. La maison Fanny échange ni retour. C'est pas pour ça, mon ami est devenu fou suite à avoir vu le contenu de cette boîte. Vous savez peut-être ce qu'il y a dedans? Je sais ce qu'il y a dedans. Enfin, pas vraiment. Je sais juste que cela peut rendre fou, démoniaque en quelques minutes. C'est-à-dire? Cet homme était mon ami. Avant d'être antiquaire, j'étais collectionneur avec lui. Lui sait ce qu'il y a dedans. Il est le premier à l'avoir ouvert, mais aussi le dernier. 2 semaines plus tard, on l'enterrait à côté de chez ses parents. Il s'était suicidé. Je suis désolé. Non, c'est pas grave, ça fait quelques années. Mais du coup, en sachant ça, vous me l'avez donné. Avec un risque de suicide, de démoniaque. Non, pas de soucis là-dessus. N'y voyez pas d'inconvénient. Mais cette boîte, a priori, c'est la seule façon de s'en débarrasser. Je l'ai mise au feu, je l'ai jetée dans le canal, elle était toujours là. Il semblerait que pour s'en débarrasser, il faut que ce soit une personne qui la choisisse volontairement. Par contre, si vous en êtes pas débarrassé dans les quelques jours, je pense que vous aurez quelques soucis, quelques morts. Faut que j'aille. Au revoir. Je vais juste regarder. Reste allongé. Bah, c'est super.